Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous savoir à nos côtés, chers étudiants, chères étudiantes. Merci pour votre désir d'étudier la Bible. Nous sommes encore sur Daniel 11, 40 à 45. J'avoue que cela fait déjà peut-être plus de 20 vidéos sur ce sujet. Nous n'avons pas encore terminé. Mais nous voulons également remercier Dieu parce qu'il ne cesse de nous ouvrir de nouvelles lumières sur tous ces sujets qui, au fur et à mesure, deviennent plus concrets et beaucoup plus d'actualité. Nous avons eu le privilège de regarder Daniel 11, les versets 10 à 16. Et lors de notre dernière étude, nous nous sommes arrêtés sur l'histoire du peuple d'Israël, notamment les 10 tribus du Nord. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les 2 tribus du Sud. Mais juste avant, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes, pour ce privilège de pouvoir étudier ta parole et de la mettre ligne sous ligne afin de la comprendre. Merci pour ce désir que tu donnes à chaque personne de pouvoir regarder ces vidéos, de les étudier, de s'arrêter, de noter, de renoter. Je te demande une bénédiction particulière sur chacune d'elles. Et alors que nous allons faire cette étude, que là encore, nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, afin de mieux saisir le temps dans lequel nous sommes. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Quand nous regardons Daniel 11, les versets 40 à 45, vérité présente, le message pour notre génération, ce message qui fait couler tant d'encre, nous ne pouvons nous empêcher déjà de remercier Dieu pour toutes ces vérités qu'il nous révèle. Mais pour comprendre Daniel 11, ces 5 derniers versets, il est indispensable de regarder le contexte, de regarder tout le chapitre. Et nous l'avons déjà fait plus d'une fois. Nous avons également eu le privilège de regarder Daniel 11, les versets 10 à 16. Et nous nous sommes rendus compte que Daniel 11, le verset 10, est en relation avec Daniel 11, le verset 40, notamment le verset 40b, 1989, une des vidéos que nous avons déjà présentées. Et nous nous sommes également rendus compte que Daniel 11, verset 16, est en relation avec Daniel 11, verset 41, la loi du dimanche. Nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait au verset 11, 12, 13, 14, 15. Nous avons positionné deux guerres, la guerre, la bataille de Raphia et la bataille de Pagnon. Nous nous sommes également rendus compte qu'ici, il y avait une zone de paix, une zone de paix et une zone de paix. Tout ceci, nous essayons de comprendre si nous sommes dans la bataille de Raphia aujourd'hui avec le roi du Sud ou si nous sommes sur la bataille de Pagnon avec le roi du Sud actuellement qui s'agite. Pour cela, nous avons cherché à comprendre dans cette histoire, les versets 11 à 10 à 16 plus précisément, il y avait une question de rentrer dans le pays glorieux. C'est une phrase, une expression qui nous parle, parce que dans Daniel 11, verset 41, il y a également le roi du Nord qui va rentrer dans le pays glorieux. Et puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que ce qui est aujourd'hui a déjà existé, alors nous nous sommes dirigés vers la Bible, essayer de comprendre à quel moment le roi du Nord est rentré dans le pays glorieux. Nous nous sommes rendu compte que Assyrie, le roi du Nord, était également rentré dans le pays glorieux sous Osée. Donc ici, on pourra ajouter pays glorieux. Donc nous venons de noter que sous Osée, le roi du Nord rentrait dans le pays glorieux. Assyrie rentrait dans le pays glorieux et le peuple d'Israël va partir en captivité. Mais il est important de noter que tout ne s'est pas passé sous Osée. Le premier contact, c'est avec Ménahem. Et il y aura également, donc nous pouvons comprendre que cette zone,
Sous ces quatre derniers rois, il y a une relation avec le pays glorieux. Aujourd'hui, dans cette étude, nous allons voir les quatre derniers rois de Juda. Parce que, également, les rois de Juda sont partis en captivité. Alors, commençons par le premier roi. Le premier roi, c'est Manassé. C'est une histoire certainement que vous connaissez, donc on ne va pas tout regarder, on ne va pas tout voir, hein, mais juste retenir l'essentiel pour chaque roi. Nous sommes à la diapo 25. Manassé qui signifie « oublieux ». Si nous allons dans 2 rois 21, les versets 1 à 6, il est dit « Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Éphet-Siba. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et il la servit. » Au verset 6, il est dit, « Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour s'en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. » Alors, Manassé, le fils d'Ézéchias, il nous est dit qu'il va devenir roi à l'âge de 12 ans et il va régner 55 ans. Ellen White va commenter un peu l'histoire de Manassé. Nous le trouvons dans la diapo 26. Alors, sachez que quand on prend un texte, on vous l'a déjà dit, quand on prend un texte de la Bible, j'aime bien avoir aussi un commentaire de l'esprit de prophétie afin de mieux valider tout ceci. À la diapo 26, il est dit « Les prophètes ne cessaient d'adresser des messages d'avertissement et d'exhortation à Manassé d'abord, puis au peuple. Mais ces messages étaient traités par mépris. On n'en tenait aucun compte. Afin que l'on sache ce qui arriverait au peuple, s'il ne se repentait pas, Dieu permit que le roi fût capturé par une bande de soldats assyriens qui le mirent dans les fers, le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone, leur capitale temporaire. Cette épreuve ramena le roi à la raison. Il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Mais se repentir, bien que remarquable, se manifesta trop tard pour arracher le royaume à l'influence corruptrice de l'idolâtrie pratiquée depuis de si longues années. Un grand nombre était tombé pour ne plus jamais se relever. Quand nous regardons ces deux histoires, Jéroboam ou Manassé, ce sont des rois qui ont régné pendant très longtemps. Plus de 40 ans pour Jéroboam, 41 ans, 55 ans pour Manassé. Ce sont des rois qui ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais nous pouvons également noter le repentir de Manassé. Et ici, c'est l'Assyrie qui arrive. Donc, ce n'est pas encore Babylone, c'est Assyrie. Donc, c'est vraiment une continuité avec Osée. Vous vous souvenez? L'Assyrie était venue emmener la partie du sud en captivité. Et quelques années plus tard, l'Assyrie va également emmener Manassé en captivité. Souvent, Manassé est considéré comme un acompte. Parce que dans cette ligne, Manassé va partir en captivité. Mais Manassé n'est pas en captivité par Babylone, mais par le roi du Nord, qui est à cette époque Assyrie. Si nous continuons, nous allons voir que donc, Manassé va mourir et va régner à sa place
Amon, le fils de Manassé. Amon va régner beaucoup moins longtemps. Donc, regardons la diapo 27. Son nom signifie « travailleur caché ». Dans 2 Rois 21, versets 19 à 23, nous lisons « Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Harut de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père et il servit les idoles qu'avait servi son père et se prosterna devant elle. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. » Donc ici, Amon, il va devenir roi à l'âge de 22 ans. Il va régner 2 ans. Il va également faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et ici, il y a une notion de, on va le mettre en rouge, ses serviteurs. Qui vont le tuer. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Certainement, nous aurons à voir des relations avec la ligne du dessus pour voir les points communs. Mais on va d'abord tracer la ligne de Juda et après, on va voir les points communs. Ellen White nous dit à la diapo 28, « Parmi ceux qui avaient été fortement marqués par l'apostasie de Manassé, il faut compter son propre fils, qui monta sur le trône à l'âge de 22 ans. L'Écriture nous dit que le roi Amon marcha dans toute la voie où avait marché son père. » Il servit les idoles qu'avait servi son père et se prosterna devant elles. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Il ne fut pas permis à ce roi apostat de régner longtemps. Il va régner juste 2 ans, même pas 10% du règne de son père. 2 ans seulement, après son ascension au pouvoir, alors qu'il s'adonnait à son impiété provocante, il fut tué par ses propres serviteurs dans son palais. Et le peuple du pays établit Josias, son fils, à sa place. Donc on va mettre une flèche ainsi pour indiquer qu'il va faire encore plus de mal que Manassé, son père. Et là, maintenant, on va avoir Josias, que tout le monde connaît, qui va être roi à l'âge de 8 ans et qu'il va régner 31 ans. Josias était un roi particulier, c'est vraiment le roi du rassemblement. C'est vraiment le roi qui va permettre aux enfants d'Israël de revenir vers l'Éternel. Nous sommes à la diapo 9, Josias qui signifie « l'Éternel guérit ». Si nous lisons 2 Rois 21, verset 24, il est dit « mais le peuple du pays » frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et le peuple du pays établit Josias son fils à sa place. Dans 2 Rois 22, verset 1, nous lisons « Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida. » Au verset 2, « il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à Manassé, son grand-père, et contrairement à Amon, son père. Et il marcha dans toute la voie de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Et certainement, jamais Pâques n'avait été célébré depuis les jours des juges qui avaient jugé Israël, nous sommes au verset 22, ni pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Quand nous allons au chapitre 23, le verset 23, il nous est dit, « Mais durant la 18e année du roi Josias, cette Pâque fut célébrée au Seigneur dans Jérusalem. » Verset 24, « De plus, Josias extermina les évocateurs d'esprit et les devins, et les images et les idoles et toutes les abominations qui s'apercevaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin qu'ils puissent accomplir les paroles de la loi qui étaient écrites dans le livre qu'Hilkia,
le prêtre avait trouvé dans la maison du Seigneur. Donc c'est vraiment celui qui va faire, donc il va faire ce qui est droit. Il va faire ce qui est droit. Et c'est le roi du rassemblement. Regardons ce qu'Ellen White nous dit à propos de Josias. Il faut noter que Josias est un point tournant. Vous vous souvenez, ici il y a trois rois et après va intervenir le roi du Nord. Et Josias va être vraiment un point tournant aussi bien pour Israël que pour Juda. Il est jeune, mais il va... Son jeune âge ne va pas l'empêcher d'accomplir une mission, une grande mission, avec Jérémie qui va beaucoup l'aider et avec cette confiance intense qu'il aura en son Dieu. Ellen White nous dit dans Prophète et Roi 295.2 à la diapo 30, « Avec l'arrivée de Josias au trône, il régna 31 ans. Ceux dont la foi était restée pure commencèrent à espérer que l'apostasie de Juda aurait une fin. » Car le nouveau roi, bien qu'âgé de 8 ans seulement, craignait Dieu. Dès le début de son règne, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Bien que fils d'un roi apostat, hein, personne d'amont, bien qu'assailli par la tentation de suivre l'exemple de son père hein, et même de son grand-père, et encouragé par quelques conseillers seulement dans la voie du bien, Josias demeurait cependant fidèle au vrai Dieu. Évitant les erreurs des générations précédentes, il décida de faire le bien plutôt que de s'avilir dans le péché comme l'avaient fait son père et son grand-père. Il ne se détourna ni à droite, ni à gauche. Appelé à occuper un poste de confiance, il résolut de se conformer aux instructions données comme règle de conduite au roi d'Israël. Le Seigneur put, grâce à son obéissance, en faire un vase d'honneur. Je voudrais juste vous faire, même pas une digression, mais vous vous souvenez quand nous avons fait l'étude de la statue et que nous sommes arrivés à l'argile, on avait vu qu'il y avait l'argile bourbeuse ou l'argile de Potier. Et nous pouvons nous rendre compte que Josias, alors qu'il est jeune, va choisir d'être cette argile de Potier, va choisir d'être un vase d'honneur dans les mains de l'Éternel. Et je voudrais vraiment m'adresser aux jeunes, c'est les jeunes qui nous écoutent, pour dire on n'est jamais trop jeune pour être fidèle. Manassé avait 12 ans, il était jeune aussi. Mais il va faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Amon, son fils, va régner à l'âge de 22 ans. Jeune, mais il va faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Josias, qui est encore plus petit qu'eux, il n'a que 8 ans. Il va choisir. Faire la volonté de Dieu restera de tout temps une notion de choix. Et Josias l'a très bien compris. Et il va marcher dans les voies de David, alors que tout autour de lui, tout lui montre l'apostasie d'un peuple. Si nous allons dans 2 Chroniques, au verset 34, nous sommes à la diapo 31, elle leur répondit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, regardons le contexte. Allons dans 2 Chroniques 34, reprenons à partir du verset 20. Donc, je vous invite à prendre votre Bible parce que nous ne l'avons pas. Donc, il est question de Josias qui va donner l'ordre à Ilkija, de faire une action. Donc, nous sommes au verset 20. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Chafan, à Abon, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à Asa, serviteur du roi. Et il va demander, « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda. » au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qui avaient désigné le roi
allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalum, fils de Tokeat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville, après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Donc voilà le contexte de ce verset où nous sommes à cette diapo. Et ils vont aller consulter Hulda, la prophétesse. Et qu'est-ce qu'il va être dit au verset 24? Donc nous sommes à la diapo 31. « Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'étendra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous envoyait pour consulter l'Éternel, donc à la personne de Josias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Nous sommes ici à Josias, dans la vie de Josias. Josias, à un moment, il y a ce livre qu'ils vont trouver dans le temple. Josias va entendre cette lecture et va déchirer ses vêtements. Donc cela nous fait penser à Mardochée. Vous vous souvenez dans cette histoire, dans la ligne que nous avons faite par rapport au scellement? Et Josias va s'humilier. On va voir que ce ne sera pas le cas de d'autres rois quand ils vont entendre cette lecture, notamment Joachim, quand il va entendre la lecture de ce livre. Mais Josias, lui, va s'humilier. Et Dieu va dire, j'ai vu. J'ai vu et j'ai noté. Il y aura un malheur. Mais le malheur arrivera à ta mort, Josias. Donc, on va dire que ici c'est la vie de Josias. Imaginons, parce que là, c'est le prochain roi. Donc, la mort de Josias est là. Et à partir de la mort de Josias, ici, à partir de la mort de Josias, il y aura les malheurs. Donc, ici, on pourra faire comme ça. Donc, après la mort de Josias, il y aura les malheurs. Si nous continuons, il y a pour d'autres... Nous pouvons avoir d'autres textes si nous cherchons... Si vous cherchez l'expression « tous les malheurs », vous allez voir qu'il y a plusieurs textes qui en parlent. Nous sommes à la diapo 32. Dans Jérémie 35, verset 17, il est dit... C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux. Parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Donc ces malheurs-là vont arriver sur Juda et sur Jérusalem. Jérémie 36, verset 31. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem, et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter. Si nous allons, vous savez, nous savons que Jérémie était contemporain de Josias, et que Jérémie a beaucoup conseillé Josias. Jérémie continue au chapitre 44, le verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, il n'y a plus d'habitants. » Donc ici, nous devons bien le mettre que nous sommes à la fin de cette histoire. Et à la fin de cette histoire, alors qu'ils sont déjà partis en captivité sous Sédécias,
Il va leur être rappelé, est-ce que vous avez vu l'exécution de tous ces malheurs? Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda? Voici ces villes, hein, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, il n'y a plus d'habitants. Donc là, nous sommes passés, nous sommes placés sous Sédécias, le dernier roi, et il va dire, est-ce que vous avez vu tous ces malheurs qui se sont passés? Donc on comprend bien que les malheurs sont entre la mort de Josias et le départ en captivité. Dans Jérémie 51, verset 60, Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sous Babylone. C'est important de noter que tous ces malheurs étaient écrits dans un livre. Donc nous avons vu que ces malheurs arrivent à la mort de Josias et que ces malheurs, nous les voyons jusqu'à la destruction même de Jérusalem, de Juda, le peuple qui part en captivité. Josias va mourir, nous allons revenir sur la mort de Josias, mais nous allons juste continuer la ligne. Donc Josias va mourir et va laisser place à son fils Joachaz. Nous sommes à la diapo 33. Joachaz qui signifie l'Éternel a saisi. Dans 2 Rois 23, verset 30, il nous est dit, ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent à Megiddo, à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Alors, c'est important de noter ici Megiddo, parce que c'est ici. Donc, il y a plusieurs écritures pour Megiddo. Hein. C'est à la bataille de Megiddo que va mourir Josias. Et Josias, après sa mort, c'est Joachaz, son fils, qui va régner. Et ici va commencer ses quatre derniers rois. Les quatre derniers rois, les rois sous lesquels nous allons noter cette notion du jugement. Nous allons noter les malheurs qui ont été prédites. Nous sommes au verset 31. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amon, comme avait fait Manassé. Alors, on va noter qu'il avait 23 ans. Et on va noter, ici je vais mettre en noir, il va régner que 3 mois, c'est très important. Il va régner que 3 mois. Il va faire également ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et qui intervient ici? Donc maintenant il y a Pharaon Nécho, le roi du sud. Donc Pharaon Nécho va l'enchaîner à Ribla, ça c'est important de noter, Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régna plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et 1 talent d'or. Tout ceci, on va le voir plus en détail. Et Pharaon Nécho établit roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et il changea son nom, celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et il mourut. Donc, il y a beaucoup de choses. Ici, il y a l'intervention du roi du sud. Donc, le roi du sud, on va lui mettre une petite couronne. Le roi du sud, donc, il va enlever Joachaz de son poste. Joachaz n'est pas mort. Il va le remplacer par Éliakim. Mais il va changer son nom en Joachim. Voilà. Donc, là, ce sera le nouveau roi. Joachim. Donc, c'est important de noter, il y a un roi qui arrive, il enlève l'un, il met un autre roi à sa place et il fait un changement de nom et il l'appelle donc Joachim. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore sur Joachaz? Il nous est dit que c'est le roi, donc c'est le roi d'Égypte, hein, donc c'est le roi Nécho qui va l'enchaîner à Riba.
Et il va lui mettre sur lui une contribution de 100 talents d'argent plus un talent d'or. Et ça, je voulais le noter. Alors, ici, on va mettre. Alors, je vais mettre ici, là, 100 talents. 100 talents d'argent et un talent d'or. OK. 100 talents d'argent et un talent d'or. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les maths. Donc, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Nous sommes sous. Il ne va pas le faire sous Joachim, mais c'est sous Joacaz. Et sous Joacaz, nous sommes en relation avec Ménahem. Vous vous souvenez que sous Ménahem, il y avait le roi du Nord qui était venu et qui avait mis une contribution sous Ménahem. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, nous allons revenir. Alors, pour Ménahem, nous sommes à 2 rois 15, le verset 20. Ou bien plus précisément, verset 19. Pul, le roi d'Assyrie, donc le roi du Nord, vint dans le pays. Et Ménahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir. Donc, on va mettre ici, pour que vous puissiez comprendre, on va mettre le roi du Nord ici. Donc, on va mettre la royauté. Et ici, il y a 1000 talents d'argent. Il y a 1000 talents d'argent. Et nous avions fait les calculs la dernière fois. Et si on regarde maintenant avec, avec Joacaz, nous savons qu'un talent d'argent vaut 3000 cycles. Donc 100 talents d'argent, c'est 300 000 cycles. Et il y a également un talent d'or, et le talent d'or vaut 10 000 cycles. Donc nous sommes à 310 000 cycles. Donc je vais noter ça. Je vais l'effacer après, mais c'est juste pour vous montrer. Donc ici, nous sommes à 310 000 cycles. Et quand on avait regardé les cycles ici, on était. Bon, c'est facile à faire, puisqu'on a dit que. On vient de dire que un talent d'argent, c'est 3 000 cycles. Donc, 1 000 talents d'argent, c'est 3 millions de cycles. D'accord? Donc, ici, nous sommes à 3 millions de cycles. Donc, quand on regarde, quand le roi du Sud, il arrive, il va imposer le peuple de Dieu. Par rapport au roi du Nord qui impose, donc le roi du Nord, lui, il impose à la même balise, le roi du Nord impose 3 millions de cycles, et le roi du Sud, lui, il impose 310 000 cycles. En réalité, le roi du Sud, il impose que 10%. Tout ceci pour dire que quand le roi du Sud, il arrive, tout le malheur que le roi du Sud fait, c'est très peu par rapport à ce que le roi du Nord va faire. Le roi du Sud, il fait très peu par rapport au roi du Nord. Le roi du Sud, il va imposer 10% du montant que le roi du Nord, lui, il va imposer. Donc, je voulais juste vous faire, hein, vous montrer ce point parce que les deux, on voit cette notion d'argent à cette balise. Donc, je vais l'effacer parce que j'aurai besoin d'écrire des choses pour Joachim. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter encore sur. On va passer à Joachim, et puis après, on va revenir sur Joacaz. Donc, Joachim, donc Éliakim, hein, il s'appelait Éliakim, tu m'en as dit à Pau 35, celui que Dieu établit. Et Joachim, lui, veut dire l'Éternel suscite. Donc, soit établir ou susciter. Nous sommes à 2 rois 23, verset 34. Et Pharaon Nécho établit roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père.
et il changea son nom, celui de Joachim. Il prit Joachaz, qu'il alla en Égypte et fit mourir. Donc ici, nous avons également le roi du sud qui intervient. Donc le roi du sud intervient pour la nomination de ce roi. Ce n'est pas le peuple qui choisit, c'est le roi du sud qui choisit qu'il va mettre comme roi en Israël, en Juda. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, d'accord? Mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Vous vous souvenez que sous Ménahem avait réparti cet argent sous 60 000 personnes. Ici, on ne nous dit pas sur combien de personnes que cet argent sera réparti, mais on nous dit que le roi va imposer une taxe. Donc, le pays va souffrir de cette taxe. Donc, nous notons que Joachim, il va être roi à l'âge de 25 ans. Donc, il va être roi à l'âge de 25 ans. Et il va régner 11 ans. Donc, ça, c'est très important aussi. Et Joachim va régner 11 ans sur le peuple. Il va faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alors, regardons le commentaire d'Ellen White sur ce sujet. Nous sommes à la diapo 35. Mais la grande majorité du peuple n'écouta pas cet appel à la repentance et à la conversion. Depuis la mort du bon roi Josias, ceux qui avaient gouverné la nation n'étaient pas restés fidèles au Seigneur. Et ils avaient égaré beaucoup d'âmes. À Joachaz, déposé par ordre du roi d'Égypte, avait succédé Joachim, l'un des fils aînés de Josias. Alors Jérémie conserva peu d'espoir de sauver son pays bien-aimé de la destruction et le peuple de la captivité. Il ne put cependant rester silencieux, tandis qu'une ruine totale menaçait le royaume. Il fallait encourager ceux qui étaient demeurés fidèles au Seigneur, afin qu'ils persévèrent dans le bien et détournent si possible les pécheurs de l'iniquité. J'aime beaucoup cette partie où Ellen White nous dit que les autres rois qui ont suivi ne sont pas restés fidèles au Seigneur. Il y a eu Josias, le bon roi. Josias est un point tournant. Et après Josias, ces quatre prochains rois qui vont venir, ce sont des rois qui vont détourner le peuple de l'Éternel. Regardons également la diapo 37, de 2 Rois 24, verset 1. Alors, Joachim est en place. Et qu'est-ce qui va se passer sous Joachim? C'est le roi du sud qui l'a mis en place. Il nous est dit dans 2 Rois 24, verset 1, « De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fit assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. » Donc là, on va voir également... Il y avait déjà le roi du sud qui était en relation avec Joachim, mais maintenant il y a le roi du nord qui est en relation avec Joachim. Et ce roi du nord va l'assujettir pendant 3 ans. Dans 2 Chroniques 36, verset 6, il est dit « Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone les ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais. » Donc, il est important de noter ici que Joachim va être en relation avec le roi du Nord et il va également être déporté. Il va être déporté à Babylone. Si nous lisons Prophète et Roi, Dieu désirait que Joachim tienne compte des conseils de Jérémie, qu'il parvienne ainsi à gagner la faveur de Nebuchadnezzar
et a échappé en même temps à de grandes tribulations. Le jeune roi avait traité une alliance avec le monarque babylonien. S'il était resté fidèle à sa parole, il aurait imposé le respect aux païens et contribué ainsi à amener de nombreuses âmes à la conversion. Mais le roi de Juda méprisa les privilèges extraordinaires qui lui étaient accordés et il suivit volontairement sa propre voie. Il viola la parole d'honneur qu'il avait donnée au roi de Babylone et il se révolta, ce qui le plaça, lui et son royaume, en fâcheuse posture. Alors l'Éternel envoya contre Josachim des troupes des Chaldéens, les troupes de Syriens, les troupes de Moabites et les troupes d'Ammonites. Et il fut impuissant à préserver son pays des ravages de ses envahisseurs. Donc nous comprenons que la servante du Seigneur nous dit que Josachim va mépriser cette alliance qui avait été faite entre Babylone et Juda. Et tous ces avantages, il ne va pas en prendre conscience. Et à la diapo 39, nous lisons « Le règne désastreux de ce monarque prit fin peu de temps après. Couvert d'ignominie, rejeté du ciel, détesté par son peuple et méprisé par tous les royaumes de Babylone dont il avait trahi la confiance, ainsi finit Josachim. Telles furent les conséquences de l'erreur fatale qu'il commit en rejetant les desseins de Dieu révélés par son messager. » Donc, Josachim va mourir et à sa place, il va y avoir son fils, Josachim. Donc, la différence, c'est juste un N. Ici, c'est un M. Donc, je vais mettre le N ainsi et je vais mettre un trait au-dessus. Donc, Josachim. La diapo 40, nous lisons « Josachim signifie l'Éternel établi ». Josachim avait 18 ans, lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neshutcha, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Donc, ils sont en train d'assiéger la ville sous Josachim. Continuons la lecture, nous sommes à la diapo 41, 2 rois 24, verset 12. Alors Josachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Donc ici, nous allons noter que sous Josachim, donc Josachim va devenir roi à l'âge de 18 ans et il va régner 3 mois. Donc vous vous souvenez? Donc là, on peut voir cette relation entre Joachaz. On va voir un peu plus en détail. On va voir. Alors, si nous continuons la lecture, donc nous étions à la diapo 41. Hein. Donc nous sommes au verset 13. Et il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et des trésors de la maison royale. Et il mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait pour le temple de l'Éternel, comme l'Éternel en avait parlé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants du nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers, et il ne resta que le peuple pauvre du pays. Les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Tous les guerriers du nombre de 7 000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000, tout homme vaillant et propre à la guerre, le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Donc, on voit qu'ici, il y a une captivité, d'accord? Donc, sous Péka, il y avait une partie du peuple qui était partie en captivité. Et ici, il y a une partie du peuple qui part en captivité. Nous savons qu'il y avait déjà une autre partie donc, dont Daniel faisait partie et que Daniel était parti en captivité sous Josachim. Mais ici, sous Josachim, même le roi
le roi Joachim va partir en captivité. Si nous regardons 2 rois 24, verset 14, nous sommes à la diapo 42, et il déporta tout Jérusalem, donc tous les chefs et tous les vaillants hommes de guerre, au nombre de 10 000 captifs, avec des charpentiers et des serruriers, ce que nous avons déjà lu. Il ne demeura personne de reste que le pauvre peuple du pays. Ainsi, il transporta Joachim à Babylone, et la mère du roi, et les femmes du roi, et ses eunuques, et l'emmena en captivité de Jérusalem à Babylone, tous les peuples du pays. Versets 16 et 17, la diapo 43. Donc, il continue à nous dire ce que Chronique, nous trouvons les deux textes en parallèle. Donc, nous allons regarder ce que Ellen White nous dit à ce sujet. Nous sommes à la diapo 44. Joachim, connu aussi sous le nom de Jéconia, et Jéconias, fils de Joachim, ne régnait que depuis 3 mois et 10 jours. Lorsqu'il se rendit aux armées chaldéennes, que la révolte du roi de Juda avait emmené une fois de plus aux portes de Jérusalem. Ce que je veux noter ici, c'est que Joachim, on l'appelait également Jéconia, mais ce n'est pas le roi du sud ou le roi du nord qui avait modifié son nom, c'était un autre nom dont il était également nommé. Il nous est dit là, c'est 3 mois et 10 jours, ici c'est 3 mois, donc il y a 10 jours, la Bible précise c'est 10 jours de plus. Donc, nous sommes toujours à la diapo 44. Cette fois, Nebuchadnezzar emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, au nombre de plusieurs milliers, avec les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000. Donc, il y a une première, il y a un groupe qui va partir en captivité. Et maintenant, nous allons avant de mieux comprendre, nous allons terminer afin de mieux comprendre cette frise. Et nous allons arriver sur le dernier roi, Sédécias. Alors, si on regarde le verset 16, 2 rois 24, verset 16, la diapo 43, il nous est bien dit, donc il va emmener en captivité tous les hommes vaillants au nombre de 7 000, les charpentiers, les serruriers au nombre de 1 000, tous les hommes vaillants et propres à la guerre, le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit pour roi, à la place de Joachim, Matania, son oncle, et changea son nom, celui de Sédécias. Donc, il va prendre Joachim, il va emmener Joachim en captivité, comme le roi du sud avait pris Joachaz et l'avait emmené en captivité. Donc, maintenant, nous sommes avec le roi du nord. On avait vu que Joachim, il avait été en relation avec le roi du sud en premier, et à la fin, il a fini par être en relation avec le roi du nord, et il va être emmené en captivité sous le roi du nord. Ici, Joachim va être en relation uniquement avec le roi du nord. Le roi du nord va enlever Joachim, tout comme le roi du sud a enlevé Joachaz. Il va mettre à la place Matania. Matania, qui est également un fils de Josias. Donc, Matania, c'est un fils de Josias. Joachim, c'est un fils de Josias. Joachaz, c'est un fils de Josias. Joachim, c'est le petit-fils de Josias. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Matania et il va changer son nom et il va l'appeler Sédécias. Donc, Joachaz, il régnait depuis 3 mois, quand le roi du sud est venu, il l'a enlevé, a mis Eliakim à sa place, a changé le nom d'Eliakim et l'a appelé Joachim. Le roi du nord est venu, Joachim, ça faisait que 3 mois qu'il régnait, il va prendre Joachim, il va l'enlever, il va mettre Matania à sa place, il va changer son nom en celui de Sédécias. Et Sédécias, donc, nous voyons que c'est la même histoire. La même histoire qui est faite soit par le roi du sud, soit par le roi du nord. Donc, quand nous voyons le roi du sud agir, nous pouvons comprendre également comment le roi du nord va agir.
Nous sommes à la diapo 45. Nous sommes à 2 rois 24, verset 17. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Josiakim, Matania son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Donc, il a 21 ans. Et il va régner 11 ans. Vous vous souvenez? Josiakim avait régné 11 ans. Donc, regardez bien. Si je pouvais le mettre dans une autre couleur, il y a une relation entre ici et ici. Et il y a une relation entre ici et ici. Et ce qui est important de noter, c'est que ce que fait le roi du Sud, le roi du Nord fait souvent la même chose. Mais le roi du Sud est avant le roi du Nord. Donc, Sédécias, il va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Josiakim. Quand nous regardons à 2 Rois 25, verset 1, la diapo 46, il est dit que la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année. Donc, la ville va être assiégée. Je vais le mettre dans une couleur. Vous vous souvenez que sous Osée, la ville avait été assiégée. Pendant 3 ans. Nous l'avons vu la dernière fois. Et là maintenant, sous Sédécias, la ville va être assiégée jusqu'à la 11e année du roi, donc pendant 2 ans. Deux Rois 25, verset 7. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux de Sédécias, et on le lia avec des chaînes d'airain, et on l'emmena à Babylone. Donc, je veux noter ici qu'il est mis en relation avec le roi du Nord. Il va partir en captivité, et il aura également des chaînes d'airain. La même chose ici. Vous vous souvenez pour Josiakim? Il est arrivé comme roi à 25 ans. Il a régné 11 ans. Il a fait ce qui est mal. Lui aussi va faire ce qui est mal. Il va être en relation avec le roi du Nord. Il va être en relation avec le roi du Nord. Il va être déporté. Il va être déporté en captivité. Il va être mis des chaînes d'airain. Et Sédécias également. Si nous regardons l'histoire d'Osée, nous l'avons fait dans l'étude précédente, cette histoire, nous la trouvons dans 2 Rois, chapitre 15. Au verset 3, il disait que Salmanassar, roi d'Assyrie, donc le roi du Nord, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. On a vu que Josiakim aussi avait été assujetti. Et que Osée va conspirer, il va découvrir une conspiration de chez Osée avec le roi du Sud. Et le roi du Nord, qu'est-ce qu'il va faire à Osée? Il va l'enfermer, il va l'enchaîner dans une prison. Et il va assiéger le pays pendant 3 ans. C'est ce que nous trouvons dans 2 Rois 15, verset 2 Rois 17, 2 Rois 17, verset 5. Donc, quand nous revenons dans notre histoire, nous allons commencer à résumer. Qu'est-ce que nous voyons? Manassé va régner, il a 55 ans, il va régner pendant 55 ans. Après, il y aura Amon, qui va être roi, il va régner pendant 2 ans.
Josias, c'est le point tournant. Et Josias va mourir à la bataille de Megiddo. Ça, c'est important parce qu'on verra cette bataille. Josias va mourir à la bataille de Megiddo. Et nous avons vu que la Bible nous avait dit qu'après la mort de Josias, tous les malheurs vont arriver. Joachaz va régner 3 mois. Joachaz est mis en relation avec Joachim. Joachaz est en contact avec le roi du sud. Joachim est en contact avec le roi du nord. Avec Joachim. Je dis Joachim, mais c'est Joachim, excusez-moi. Joachaz est mis en relation avec Joachim. Et Joachim, il va régner 11 ans. Il est en relation avec Sédécias. Tous les deux vont être en contact avec le roi du nord. Mais si nous regardons bien l'histoire, nous allons voir que sous Joachim, donc la prochaine étude, nous allons la développer, sous Joachim, il y a eu également une bataille. Ici, donc, ici, il y a une bataille, la bataille de Megiddo, mais il va également avoir une bataille qui va s'appeler la bataille de Carchemish. Donc, l'écriture, ça varie. Il va y avoir cette bataille, la bataille de Carchemish, la 4e année de Joachim. Il y aura une grande partie du peuple va partir en captivité avec Joachim. Et Sédécias, le fils de Josias, va devenir roi. Il va régner 11 ans, il va faire ce qui est mal. Il va être en contact avec le roi du nord. Il va partir également en captivité. Et il va avoir les chaînes. Il va être lié et emmené à Babylone. Et le pays. Le temple va être brûlé et c'est la fin d'Israël et les malheurs se sont abattus sur ce peuple. Tout ceci est résumé dans la diapo 47 que vous avez sous les yeux. Donc nous voyons donc les 7 rois avec les malheurs. Les malheurs qui interviennent de la mort de Josias jusqu'aux 11 ans à la fin de Sédécias. Et si nous regardons la diapo 48, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en parallèle des points communs. Donc vous avez l'arrêt de la guerre de Megiddo, donc la mort de Josias. Joachaz va être choisi par le peuple. Joachaz va régner pendant 3 mois, tout comme Joachim va régner pendant 3 mois. Joachaz, le roi du sud, va enlever Joachaz, va l'emmener en captivité, va prendre Éliakim et va le renommer en Joachim. Joachim, le roi du nord va le prendre, va l'emmener en captivité. Il va mettre à la place Matania et va transformer son nom en Sédécias. Joachim, tout aussi bien que Sédécias, va régner pendant 11 ans. Pendant cette période de 11 ans, il va être assujetti pendant 3 ans. Et j'ai volontairement noté le point 4 parce que c'est ici qui a eu la bataille de Carchemish. Cette bataille de Carchemish, c'est une bataille entre le roi du sud et le roi du nord. Ensuite, nous voyons Joachim qui va Joachim va partir en captivité. Donc le point que je nomme je ne sais pas avec exactitude à quel moment qu'il est parti en captivité, mais je sais que Joachim va partir en captivité, tout comme Sédécias va partir en captivité.
Il y aura la destruction de Jérusalem par le roi du Nord. Il va rentrer dans le pays glorieux. La ville va être assiégée pendant 2 ans. Ça dépend des textes. Il y a des textes qui vont nous parler de 3 ans. Et après ceci, c'est la fin du roi du Sud. Donc, quand nous regardons, nous pouvons déjà voir la même structure qu'on avait vue au début. Il y a une première bataille, Megiddo. Il y a une deuxième bataille, Carchemish. Il va rentrer dans le pays glorieux sous Sédécias. Et c'est la fin du roi du Sud. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Mais notons, ici, on avait Raphia. On avait Pagnon. Il rentre dans le pays glorieux. Et après, c'est la fin du roi du Sud en moins 30, dans les années moins 30, par là. Ce que nous voulons juste montrer, c'est que Raphia est en relation avec Megiddo et que Pagnon serait en relation avec Carchemish. Entre Megiddo et Carchemish, il y aurait une paix. Avant Megiddo, il y a eu d'autres batailles que nous aurons également l'occasion de regarder. Et après Carchemish, il va également avoir la paix, notamment avec le peuple de Dieu. On a vu que Joachim était en alliance avec Babylone. Et nous savons que Carchemish, c'est sous la 4e année de Joachim. Et que Joachim va se révolter contre le roi de Babylone. Et ensuite, le roi de Babylone va rentrer dans le pays glorieux. Ce que nous avons juste voulu montrer, c'est que quand nous regardons Daniel 11, les versets 10 à 16, nous avons vu la structure. Il y avait la bataille de Raphia, la paix, la bataille de Pagnon, la paix, rentrer dans le pays glorieux, et après, la destruction du roi du Sud. Mais quand nous regardons Israël, nous ne voyons pas cette notion de double guerre, mais nous voyons les événements sous les 7 derniers rois. Et nous voyons le contact avec le roi du Sud et le roi du Nord pour le peuple d'Israël. Mais quand nous regardons l'histoire de Josias, nous voyons que Josias est un point tournant et que Dieu va dire qu'à la mort de Josias, les malheurs vont arriver, que Josias va mourir avec la bataille de Megiddo et que la prochaine bataille qu'il y aura, que la Bible en parle, c'est la bataille de Carchemish que nous aurons l'occasion de voir dans les études des deux batailles dont la Bible en parle. La bataille de Megiddo, c'est la mort de Josias. La bataille de Carchemish, c'est la 4e année de Joachim. Et après, le roi du Nord va rentrer dans le pays glorieux, tout comme Assyrie est rentrée dans le pays glorieux, et tout comme nous comprenons que le roi du Nord entrera dans le pays glorieux dans notre histoire. Donc, dans la prochaine étude, nous allons nous arrêter sur comment c'était quoi la bataille de Megiddo, afin de mieux comprendre par rapport à la bataille de Raphia. Nous allons regarder la bataille de Carchemish, afin de mieux comprendre la bataille de Pagnon. Et pour arriver à une certaine conclusion pour notre histoire. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour tous tes enseignements et alors que nous continuons à étudier ta parole, qu'elle puisse devenir claire pour nous, car nous voulons mieux comprendre ce qui est noté dans la Bible et comment tu veux nous instruire aujourd'hui. Béni sois-tu. Et merci pour toutes tes grâces. T'as mon prière en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.